Pelm, Milan Dvořáček, Žabít a Republik Ček, a Smířice, se Petit Village, a Koté a Granville, a jsem Patrik Onis, Hradec Králové. Je suis cinq fois champion de Ček, de Cascade Glace Vitesse, je suis sacariste, j'aime bien montagne. Aujourd'hui, les conditions sont pas tellement bonnes parce que c'est un peu de chaud. Il y a un peu de risque d'avalanche. La glace elle est fragile, risque un peu de tomber toutes les structures, mais généralement ça va encore. Des fois c'est encore plus pénible. Hein. Aujourd'hui ça va. C'est mon oui. Quelqu'un aime bien de moto, quelqu'un aime bien de voyager, j'aime bien de cascade de glace. C'est quelque chose d'extra, c'est pas tous les années, c'est les conditions qui sont bonnes une fois par année. Il y a beaucoup d'aventures. Des fois, je découvre une nouvelle cascade, je marche à pied dans le Valais perdu pour trouver la nouvelle possibilité pour faire cascade de glace. C'est une grande aventure, c'est pas de seulement de comme escalade sportive. Parce que des fois, il n'existe pas de guide pour ça. Je découvre une nouvelle chose, ça j'aime bien. Faire la Coupe du Monde, le Ice Skybank World Cup Tour. Ça commence à États-Unis, ça continue à Corée du Sud, Roumanie, Italie, France, un peu partout. C'est un peu plus compliqué comme le desclade classique. Vous avez le bon piolet, bon crampon, le vis pour le visser dans le glace pour fixer. C'est tout, le casque, c'est important parce qu'il y a beaucoup de fois le tombe de morceaux de glace. Première chose qui est très importante, c'est prendre bonne technique. Pour ça, c'est bon de visiter de l'école d'alpinisme ou bien de prendre le guide pour expliquer première chose. Parce que toujours je vois beaucoup de gens qui s'étudient tout seul, toujours faire quelque chose de faux. Je veux cinq années faire la même chose de faux. Si vous visitez quelqu'un qui bien explique la technique, vous prenez bonne technique tout de suite et après c'est beaucoup plus rigolo, vous beaucoup de montées, vous prenez beaucoup de choses, beaucoup plus vite.
17 degrés de difficulté de cascade de glace classique, mais ça c'est peut-être de 4 à scale de 5-6. Mais c'est pas tellement difficile, mais faire attention, il y a beaucoup de grands alpinistes qui sont tués pour les ascentes ou bien pour le grimpe qui est pas tellement difficile. Jamais oublier de respect de montagne, de respect de nature, de respect de mon limite. Oui, c'est vrai, je suis champion, mais c'est rien. La nature, elle est beaucoup plus forte que moi, toujours.